Les amis de Blockpass Picard, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres pour moi en l'occurrence, parce que je suis tombé l'autre jour avec cette belle CRF qui a repris un nouveau look depuis sa chute. Et je me suis dit, j'ai trois filles, je suis quand même bien tombé, je me suis fait rouler dessus. En pleine ligne droite, j'ai des côtes déplacées, j'ai luxation acromiale claviculaire stade 2, je me suis dit, il va falloir arrêter. Donc j'ai dit, je vais remettre les motos en état, enfin, présentable pour l'avant, puisque moi, quand je roulais, l'équipe déco, c'était un peu sommaire. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais la sensation de... de ne pas pouvoir arrêter. J'ai mis l'annonce et juste en mettant l'annonce, déjà j'ai un pincement au cœur. Alors je ne sais pas si je vais réellement pouvoir vendre ces deux motos. J'ai déjà franchi le cap, j'ai mis des annonces. Ma 250 RM Collector, la 2001-2002, pour moi qui est la plus unique de tous en l'occurrence. Et puis la moto qui est pour moi la plus rapide parce que c'est la plus maniable, surtout avec un kit 470, ça peut arranger les choses. Mais la dernière 450 CRF 2001-2024. Et franchement, ça me fait un petit pincement au cœur. Je commence progressivement ma rééducation. Ça fait déjà plus de 3 semaines que je suis tombé. Je suis dans un piteux état. J'ai encore la cheville enflée. Enfin, j'ai encore beaucoup de mal. Et je commence ma rééducation autonome, du moins. Tout seul, du moins, autodidacte. Mais... est-ce que vous avez déjà vécu ce sentiment de se dire j'arrête, mais il y a une force surnaturelle, enfin, il y a une force au-dessus de tout ça qui m'empêche et qui me fait énormément de mal au cœur et je ne pense pas que je vais arrêter en réalité. Je pense que je vais reprendre la motocross, mais si elle est vendue, tant mieux, mais il est fort probable que dans la nuit je retire l'annonce parce que ça me fait tellement mal au cœur, ni l'une ni l'autre. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Même si la raison est plus importante, j'ai quand même 3 enfants, ils sont jeunes, j'ai 38 ans, il faut quand même assurer la sécurité et puis l'avenir de mes enfants. Une chute, c'est vite arrivé quand on voit à quel point on tombe en motocross. J'ai le cul assis entre deux chaises, si je puis dire. Et ça me fend le cœur d'être obligé de les vendre. On verra bien. Allez, à bientôt, j'espère, chez Blockpass Picard. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai changé le kit plastique, je l'ai mis en blanche, je l'adore. Regardez-moi, ça allait vraiment bien. La dernière, et puis l'historique.